Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Twitch, vous êtes à nouveau avec Kenzel et nous sommes sur Nioh 2 sur PC. Nous quittons un petit peu Persona. Je me suis décidé au final ça sera un petit peu plus de Nioh en NG+. Donc du coup cette fois je n'ai pas joué hors caméra, on reprend la mission, on s'était arrêté dans la dernière vidéo. Et si je me souviens bien, nous étions sur de la mission secondaire. Enfin, comme d'habitude, il n'y a pas grand monde en spé sabre, en spé sport dans les gens qui sont dans les tombes. Yeah.
C'est que monsieur faisait mal. Je crois que je m'en souviens de cette mission, c'est celle qui finit contre un humain en set de Sawyer, je m'en souviens. Je pense voir où on est.
Bon, je ne sais toujours pas où drop par contre le bijou que je cherche, mais bon. Ah, tiens, c'est un mec avec un sabre. Allons-y. On ira voir après, je crois me rappeler qu'il y avait un corbeau ici, sous la souche. Flûte, si on veut atteindre cette zone là, il n'y a pas l'échelle. Donc on est obligé de prendre l'autre sens. Que je me souvienne du chemin, c'est par ici je pense. On doit repasser par l'endroit où il y a la source chaude du coup. Ah, plus ou moins quoi. Ah, c'était pas extrêmement loin. Ils aiment bien un coup des gorilles dans les arcs, dans les arbres. Bon, essayons de viser convenablement sa corne pour une fois. Non, c'est raté. Ah, c'est bien ça, je me souviens bien de la mission, c'est bien avec le corbeau et puis derrière le l'espèce de mini-boss qui a un costume comme plus ou moins tout le monde en fait. Que voilà. Je crois d'ailleurs que si on lui parle, il attaque pas spécialement. Il attaque effectivement pas spécialement. Bon. Allons-y traîtreusement.
Alors, voyons voir ce que nous en étions. Donc, il reste une mission 171, une autre mission 171, 170 en secondaire. Ah, et 164 en principal, ça c'est beaucoup plus bas. Ah, 163. Ok, bah allons-y pour la 163 du coup. Chaque million d'XP pour passer, c'est quand même pas peu. Ça devient des sommes assez hallucinantes. Et ça n'ira clairement pas en s'arrangeant. Alors par contre, ouais, la statue de serpent qui garde cette saloperie de zone. Peut-être plus loin. Sans doute plus loin. Ah ouais, merde, je la vois là-bas. Je la vois là-bas. Je
Je ne me rappelais plus, mais je le vois effectivement derrière les caisses. Bon, allons-y. Ok, bah je pense qu'on a rapidement tout clean. Du coup, on va aller à la fin. Ah, deux secondes. J'aurais raté un loot par ici, apparemment. Bon, rien de fantastique, mais bon.
Donc, d'abord aller ici, effectivement, avant de finir. Et c'est bon, clôturons du coup. Bon, on va quand même jeter un œil à ce qu'on a chopé au sanctuaire. Regardez un peu s'il y a des choses intéressantes. Donc on a deux Yoki, dont un qui sert à rien. Pour le reste. Deux Yamamba, dont toujours un qui sert à rien. Des corbeaux Tengu, en veux-tu en voilà. Dont un qui sert toujours à rien aussi. Oh, par contre celui-là est bien, tiens. C'est bizarre qu'il soit plus bas niveau, mais c'est bizarre, ouais, effectivement. Bon, on va le prendre. Bon, ici rien de spécial non plus. Je crois qu'on a fait le tour, a priori. Ouais, bon, le reste, on va faire un petit rituel de repos. Alors, rite de repos sur celui-là. Celui-ci. Les corbeaux de Dengu, effectivement. Et ici, celui-ci, le Mitsune Yasura. Ok, je pense que c'est bon. Alors, on n'est pas extrêmement loin de monter de niveau, donc on va peut-être compléter ça avec des cristaux. Parce qu'on peut le faire sans aucun souci. Hop, compétence. Ah, ce qui nous met pour l'instant en 219. Alors, on a chopé des plans, effectivement, j'avais vu ça. Des plans d'armure, a priori. Dont un de masque aussi. Bon, hop. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est tout comme en vrai. Ah, c'est celle de prêtresse itinérante, tiens. C'est un joli set en soi. Alors, vente d'objets. Tiens, directement en plus de ça, c'est bien. Non, ça on va démanteler, pardon. Bon, en tout cas, on n'a pas dropé énormément de choses. Et ici, on a toujours rien de spécial. Enfin, je crois. Non, effectivement, on a toujours rien de spécial. Bon, ça, on va vendre ça aussi, ça aussi. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans Ever? Ouais, non, celui-là encore moins. Dans Ever, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas ouf.
Ok, bon, bah pour le reste des mantelons du coup. Voilà, et fusionnant ce qui peut être fusionné du coup. Donc ici en arme on a rien, là on a ceci, le de lance. Et du coup, bah, même principe, on peut encore une fois fusionner les deux lances. Ok. Bon, je crois que sur les armes, on est ok. Ouais, effectivement. Du coup, la même sur les armures. Apparemment j'ai rien à fusionner sur les armures, ok bon, c'est bon. Ah non, deux secondes. On a débloqué un nouveau point de fidélité. Du coup on va le mettre sur quoi? On va continuer de diminuer le coût de l'association d'âmes, ça pourrait être pas mal. Ok, donc 174, donc la mission principale qu'on avait repérée, elle était combien? Donc il y avait ici 164, c'est ça. Donc je crois que ce coup-ci, c'est elle qui est la plus bas. Ouais, il y a encore cette secondaire-ci, ici, qui est au même niveau. Ouais, commençons par la secondaire, alors. Là, je me demande, c'est pas un combat de boss, en fait. Let us begin. Beat me. You have earned this. Ok, bah ça c'est réglé, effectivement c'est un combat de boss. Pas exceptionnel d'ailleurs en termes de difficulté. Ok, bon, allons-y. Poursuivons vers la principale. Ça, c'est celle qui finit sur le gros avec sa grosse lame et dans la glace, je m'en souviens. Ah oui, c'est celle où on est accompagné aussi pendant tout un temps par un PNJ. Très bien pour fermer les tombes, ça. あやかしがり。
J'ai failli être un peu trop gourmand, ou être un peu trop sûr de moi sur ce que je pouvais encaisser. J'ai un peu failli y passer. Bon, j'hésite un peu à retourner au sanctuaire juste pour reset la zone et pour avoir un peu plus de temps en chemin, parce qu'il n'y en a pas eu des masses. Alors on va faire ça. On va faire un deuxième petit tour. Voilà, bon, ça on verra plus tard, comme d'habitude. J'ai pas envie spécialement de regarder les âmes maintenant. Tiens, par contre, l'inverse, oui, mais ça non. Ouais, il y a quelques tombes soudainement. Bon, éloignons-nous du bord pour qu'ils se fight par ici. Ah, bon, la Benji veut pas.
Sur le principe, on va finir le tour. Bon, il n'y a toujours pas beaucoup de chance sur l'arme que je souhaite avoir en vert, la Lama Samoun. Ça ne se présente toujours pas exceptionnellement bien.
Bon bah on a fait un tour, on continue. Je me rappelle qu'après il y a un pont assez relou avec deux squelettes avec des grosses haches. Je m'en souviens. J'avais trouvé ça un peu vicieux. Alors si je me rappelle bien, il y a pas mal de tireurs aussi. Il faut faire gaffe parce qu'on les voit pas avec la brume. Là, il y en a un. C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait deux squelettes. Bon, par contre, j'aurais tendance à dire qu'on va pas se battre contre les spectres ici, parce que franchement, vu la largeur, c'est juste méga casse-gueule. Puis regarder s'il n'y a pas un mec avec un sabre quand même, pour le principe, mais ça m'étonnerait. Enfin, si j'ai de la chance, il n'aura pas, ça me tentera pas. Non, bah ce sera pas tentant du coup. Oh, excusez-moi, je vais à gauche, je suis un peu enroué. Non, je n'arriverai pas à passer par là, il faut faire le tour. Ah, c'est vrai, c'est par l'autre bâtiment même. Bon, c'est pas grave, on reviendra. Thank you.
Mauvais timing. Ou très mauvais timing. Ouais, bah du coup effectivement quand ils ont une marque blanche autour d'eux, les tombes, ça veut bien dire qu'on va choper un parchemin. Indication amusante. Bon, je sais pas d'où il est pour le coup. Hein.
Alors je vais juste prendre un petit AFK 30 secondes, je fais un AFK bio, je reviens. Et re... Voilà, poursuivons du coup. Alors notre pierre semble avoir upgradé apparemment. On la fera donc monter à la prochaine. Ah tiens, encore un mec au sabre. On sait jamais, ce sera malentendu. Et non. Bon, ok, ça a l'air bon, allons-y. Voilà ce qui nous amène donc au sanctuaire. Bon, ça, il y en aura forcément un des deux qui sera en trop. Mais a priori, ce sera plutôt celui-là. Alors, augmenter la douleur, oui. Et rites de repos. Ok, et passer plus 5, parfait. Alors, sélectionner un accessoire. Voyons voir si on a quelque chose de plus intéressant que lui. Bon, lui, il a plus que 50% de chance de passer, donc il va falloir commencer à les monter relativement haut pour les augmenter davantage. Pas énormément de chance de monter lui niveau Arte, tiens. Bah, faut dire qu'il a de jolis jeux aussi. Bon. Ouais, bon, celui-là de toute façon, on le garde, on va pas bouger dessus. Je peux pas le bloquer d'ici. Bon. Deux secondes. Donc oui, je veux le bloquer, quoi qu'il en soit. Et les autres, j'en sais trop rien.
Je me demande juste pourquoi il a aussi peu de chance de monter en vrai. Bon, on va tenter celui-là. Là. Alors lui je vais le tuer parce qu'il m'embête, on sait jamais que je dois battre jusque là. On sait jamais que je dois reculer jusque là. Est-ce que je déteste me battre sur des trucs aussi étroits quand même? T'es en forêt.
Deux secondes, comment est-il mort? Pour son comportement amical, ok, donc on va éviter l'amical. Ok, bon bah on va faire un tour à la source sous, puis on va voir le boss. Hein. Bon, techniquement j'ai assez d'XP pour passer le niveau, mais bon j'ai vraiment la flemme de faire demi-tour. Ceci étant dit, les parchemins de foudre c'est pas spécialement bien sur ce boss. Pas spécialement mauvais non plus, mais ça ne servira pas des masses. Du feu eût été plus efficace. Oh, c'est pas grave, tant pis. On vivra avec. Bon bah voilà qui est fait. Jiden no Sukedachi, kansha itasu. Kono on, kanarazu ya waga bu de mukui yo. Magara o uchitotta ima koso, Azai Asakura o uchi yaburu kouki. Warera Tokugawa mo taisei o totonoe, tomo ni mairou zo. Ouais, peut-être que je me décide aussi à aller faire du coup les parchemins, histoire de clean un peu tout ce bordel. Bon, première chose à faire du coup, passer le niveau. Alors, voyons voir pour les fusions d'âmes pour commencer. Sans plus.
Yuki, c'est toujours sans plus. Non, non plus. Oh, pour ça, tout ça a l'air bien parti pour être en repos. Pardon, je vais taper dans mon casque. Non, ça non plus. Non, bah, repos du coup. Alors, rite de repos sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Celui-ci. Alors, il me semble qu'il y en avait encore un plus bas. Ouais, celui-là du coup. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, au niveau de la lutte, nous avons une nouvelle illustration, donc j'imagine qu'on a dû battre soit une seconde fois, soit une troisième fois le boss, je ne sais plus du tout. C'est que je me rappelle même pas comment il s'appelle. Ou alors elle a peut-être déjà passé. Non, elle a pas passé. Bon. Ah, avec la volant. J'ai chopé un truc sur elle. Ok, c'était elle. Alors, forgeron. Donc, commençons par les ventes. Là, je vais peut-être la fusionner avec l'épée du coup. C'est là pareil. Enfin peut-être pas, ça dépend. Ça dépend si j'en ai une deuxième. Non. Ouais. Ah, plus de shots. Ça laisse tranquille aussi. C'est bien, il y a quelques plus uns qui sont tombés, ça permet d'avancer un peu les upgrades. Ah, c'est même pas mal du tout. Celui-là peut-être. Celui-là non. Celui-là non plus. Ok, maintenant démantelons.
Ok. Et maintenant, les associations d'âmes. Associations d'armes. Donc tout d'abord sur les. Donc il y en avait deux que je voulais fusionner ensemble. Donc c'était celui-ci, ça c'est une certitude. Et il y avait un violet qui traînait quelque part. Que voici. Voilà. Bon, ça nous fera 2 plus 2 déjà. Ça nous fera déjà 1 plus 2, pardon, je veux dire. On va pas fusionner le vert et le violet ensemble, ça serait débile. Tout ça pour avoir 1 plus 3, bof bof quoi. Ah bah on va devoir encore attendre patiemment pour ça. Alors, ici... Je crois qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à fusionner, si ces deux-là. Ah, laquelle des deux je préfère? Celle-là, a priori. Et entre ces deux-là... Ok, sur les armes, ça sera tout. Du coup, armure maintenant. Alors, en armure, on avait les deux casques. Ouais, que deux casques, a priori. Bon, bah, on va fusionner les oreilles de lapin avec la caisse de dévotion. Puis le masque de soya avec le casque de lapin. Puis le masque de soleil avec celui d'Enara. Et finalement, notre Kingo qu'on va upgrader. Alors au niveau des torses, on n'a rien chopé qui soit fusionnable, donc ça on s'en fout pour l'instant. Niveau des gants, même problème. Enfin, bien que, on pourrait faire quelque chose, on pourrait juste faire ça, fusionner avec ça, du coup. Voilà, ce qui va me permettre de faire ceci, du coup, derrière. Puis les 2 plus 3. Ok, feu. Alors ici, on a encore 2 plus 1 à se fusionner ensemble. Bon, c'est pas mal, ça avance bien les upgrades de stuff là. Bah ce sera tout. Enfin c'est déjà pas mal. On a réussi à monter du coup les bottes en plus 5 déjà depuis un moment. Les bleus pantalons. Les gantelets. La cuirassée en plus 6. Et le casque en plus 5, plus 5 aussi. Ah c'est pas mal hein. Alors on va diminuer le coût du renforcement. Ok ça va, bah on est bon. Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais juste voir s'il n'y a pas de... Si, effectivement, il y a des accessoires de thé qui sont tombés. Et au niveau de la bataille de Clant, hein, qu'est-ce qu'il demande? Je vais pas regarder. Armure normale et gourde. Encore des gourdes. C'est l'obsession à force.
Alors, Romanius, accessoire raté. Suivi à disposition, ça n'augmente pas, donc ça on s'en fout. Forgeron. Et du coup, bon, on avance ce machin-là. Bon, ça va, on est pas bien, on est pas mal là, du coup. Donc, la prochaine mission principale est 171, disais-je. Ici, on a une secondaire qui est 168, tiens. Ok, à mon avis, ce sera probablement la plus basse. Ouais, ce sera la plus basse. Bon, je crois qu'il y en avait au moins une dizaine qui étaient au défi, je sais pas ce qui se passe, mais... Ah, ça, c'est juste le bord de la carte.
Ok, bah poursuivons. Si je me rappelle bien, c'est on va devoir affronter exactement le même boss qu'avant. Mais avec une phase d'arène en plus. Ok, poursuivons. Donc la fameuse 170 là du coup qui est la dernière de ce pack-ci, ok. Ouais, bah ok.
Ouais, comme ça tous les raccourcis sont débloqués d'un coup, ça c'est pas mal. Par contre, il y a un truc qui m'échappe. Ah non, ça ne m'échappe pas, je vois où il est. Il faut passer par le bâtiment à côté, ça c'est con. Si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Parce que du coup, il faut refaire tout le tour. Ouais, bon. Bah, faisons le tour du coup. Même par ici en fait. Alors, 30 secondes, je finis juste ma clope vite fait. Pas obligé de faire ce tour là en fait. C'est vrai que je peux descendre bêtement ici. Enfin bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose. Donc ici, bien collé à gauche. Et voilà, ça c'est réglé. Alors il y a encore un coffre ici, il n'y a pas l'escalier? Il n'y a plus l'escalier. Ah merde. Le fond express, c'est pas possible. Ouais, mais il doit y avoir le coffre, il doit y avoir l'escalier de l'autre côté par contre. Après celui-ci. Ouais, gaffe par contre qu'il y a un nommé. Enfin, je crois que c'est lui le mob qui garde la zone. Ok. Alors, où est cette connerie de coffre? Ah, il était peut-être en bas en fait. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait une échelle qui permettait de monter sur le toit, c'est peut-être ça. Ouais, peut-être bien, effectivement. Par où on y accède? C'est de l'autre côté. J'avais complètement zappé cette échelle. Voilà. Bon, faisons le bâtiment avant de finir la zone. Putain, j'ai eu super chaud. Faudrait clairement pas que je me prenne un coup de plus, hein. Bon. Ah, ici encore un squelette, un gros qui fait des tourbillons.
Ok, bah nous reste plus qu'à terminer, je pense. Oh, j'avais oublié lui.主か。再び会おうとは。家康様の影として討たれるかと思うておったが、今はこれしか礼ができん。だがこの借りは必ず返そう。 Ok. Bon, c'est quand même fait une petite frayeur là avec le meuble, hein. Bon, bah ici on va regarder ce qu'on peut fusionner. Non, je dis fusionner en âme, je voulais dire. Alors, on a chopé plein de gaki. Mais qui n'ont rien de spécialement bien. Le guerrier squelette 160, non mais on va le fusionner avec le 151, ouais. Non, ça lui fait pas gratter le level bizarrement. Alors... Non, ici c'est toujours celui-là qui est mieux, il n'y a pas de transfert possible en plus derrière, donc ça on s'en fout. Ok, je crois qu'il n'y a plus rien. Bon, ah si, j'ai mal vu. J'ai mal vu, mais où sont-ils là? Ah ouais, très bien. Bon, dans le doute, continuons le petit tour vite fait. Le reste, non, le reste c'est bon. Donc, rite de repos, du coup, bah, les gaki qui m'intéressent pas. Le enki qui m'intéresse pas non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste comme doublon? Est-ce qu'il nous en reste seulement? Non, je pense que... Ah si. Donc celui-là qui m'intéresse effectivement pas. Et c'est tout. Ensuite, petit tour au forgeron vite fait. Comme d'habitude, on commence par vendre. Ça, on va garder, c'est une fusion potentielle. Non, ça, on laisse tranquille aussi. Ça, c'est une fusion potentielle aussi. Thank you.
Alors, j'avais dit quoi? Ouais, pourquoi est-ce que j'ai pas... Deux secondes. Ah ouais, non, j'ai pas encore démantelé en fait. C'est... Je me trompe d'ordre. Je n'ai pas encore démantelé ce que je devais. Ah, non, c'est ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. La sécession d'armes, donc du coup, je disais. Alors, on va commencer par les deux lances. Ensuite... ces deux Odashi, du coup, qui peuvent aussi... bah tiens, c'est marrant, on va fusionner les mêmes. Ok. Ok, bon ça c'est fait, maintenant les armures. Donc il y a ces 2 plus 1 à fusionner ensemble. Ici que d'elle, et là, bah que d'elle aussi, donc ça c'est bon. Alors du coup il nous reste juste la principale ici. Là en ligne pour l'instant je laisse de côté. Ah non, il y a encore une secondaire qui est plus faible depuis bas niveau ici. Allons-y. Thank you.
に脱しようぜ。実に見事であった。次にまみえるときは、ぜひ手合わせを願いたいものじゃ。Ok, cette fois-ci on sera bien sur la principale. Ouais. Yes. Bon, avant de faire ça.
Ok. Alors ninja par contre, qu'est-ce que je voulais particulièrement? Je ne sais plus si je voulais quelque chose de particulier ou pas. Ah, celui-là m'aurait intéressé à la limite. Ah, on va gagner une compétence à la hache. Niveau de jeu, je suis juste curieux d'un truc. Ouais. Ninja vétéran, on est toujours très loin de le passer en vrai. C'est ouf comme c'est long à monter. Alors sanctuaire, qu'est-ce qu'il me veut? Ah oui, c'est la pierre de pénitence qui est montée. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Alors, l'accessoire a toujours 90% de chance de monter, ce qui est pas trop mal. Ok. Allons-y. Une fois en plus 1, de toute façon, il va monter plus haut. Ouais. Alors, avec ce point de prestige, qu'est-ce qu'on va en faire? Puissance une jutsu ou ki? Du ki. Bon, qu'on va faire une mission principale et qu'elle pourrait être longue, c'est pas dit. Je pense pas qu'elle sera longue, mais bon, voilà. On va quand même vider l'inventaire avant d'y aller. Ok. Donc démantelons ce qu'il y a démantelé du coup. Ah, c'est correct. Et du coup...